Good morning, allez, Iden, les tutres aujourd'hui, le Lunishmat, Mourir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, Moïse Moshe ben Sultana, Moshe Michael ben Machlouf et Aline Bachla Rachel, ainsi que le Fouat, Sarah Bat Betir Rivka Betor Shachon Israël. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Menachot, Perikud, Gemel Mishne Yud. Are alai ola, yakrivena ba migdash, vim ikriva bevet chonio lo yatsa. Sha'akrivena bevet chonio, ikrivena ba migdash. Vim ikriva bevet chonio yatsa. Rabbi Shimon omer, en zo ola. Are di nazir yigalach ba migdash, vim gilach bevet chonio lo yatsa. Sha'igalach bevet chonio, yigalach ba migdash, vim gilach bevet chonio yatsa. Rabbi Shimon omer, en ze nazir. הכהנים ששימשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש בירושלים, ואין צריך לומר לדבר אחר, שנאמר אך לא יעלו כהני הבמות אל מקדש השם בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם, הרי הם כבעלי מומין, חולקין ואוכלין, אבל לא מקריבים. בפרט נותנת משנה d'une histoire un peu triste qui s'est passée à l'époque du בית שני. Vous connaissez bien Shimon HaTzadik, Aya Mishiare, Knesset Agdola. Shimon HaTzadik, il est parmi, était un des tout premiers Tanaïm, si on peut dire, la fin des Anshe Knesset Agdola qui sont venus à Yerushalayim, qui ont reconstruit le Beth Amikdash. Shimon HaTzadik est élu le Kohen Gadol. Il avait deux enfants, un qui s'appelait Chonio et un qui s'appelait Shimei. Le grand frère c'était Shimei et le petit frère c'était Chonio. Chonio, il était particulièrement doué dans l'étude, Talmid Chacham. Il était plus Talmid Chacham. Ce qu'il faisait, c'est que Shimon HaTzadik, il a dit que ce sera Chonio qui va lui succéder, le petit frère qui va succéder, qui va devenir lui le Kohen Gadol, étant donné qu'il était plus Talmid Chacham, c'était plus digne. Et ce qui s'est passé, c'est que Chonio, il a voulu, malgré tout, dans un premier temps, il a promis à son frère, à son grand frère, que non, qu'il allait renoncer à la Kehuna Gdola et qu'il allait la donner au grand frère parce qu'il était plus digne. Beau geste apparemment. Il a voulu donner la Kehuna Gdola à Shimi. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il a eu des petits remords et regrets, et c'était trop tard pour faire machine arrière, et il a fait un seul coup à son frère. Il lui a dit, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut que le jour où tu vas devenir le Kohen Gadol, tu vas porter les habits de ta femme, avec la ceinture de ta femme, en signe que tu aimes ta femme. D'accord? Je ne sais pas exactement comment il s'est justifié face à son frère. En tout cas, son frère l'a cru. Et il a pris, au lieu de mettre la tunique blanche des Kohanim classiques, il a pris la tunique de sa femme qui était en tissu beaucoup plus fin. Et du coup, les Kohanim, ils l'ont vu sortir de son vestiaire avec ses habits un petit peu bizarres. Et ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il y a eu. Ils ont commencé à s'interroger. Ils sont tournés vers Shimi, vers Chonio. Ils ont dit, Chonio, qu'est-ce qu'il fait là, ton frère Shimi? Il a dit, mais en fait, il avait promis à sa femme que le jour où il allait devenir Kohen Gadol, qu'il allait lui mettre ses habits. Les Kohanim, ils ont eu un coup de colère, ils sont partis, ils ont voulu le prendre et aller le tuer. Jusqu'à que Shimi leur a raconté, mais non, pas du tout, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon grand frère qui m'a dit que c'était comme ça qu'il allait faire la Avoda le premier jour. Du coup, ils sont retournés vers Chonio, ils ont compris que ce malin, que c'était lui en fait qui avait semé la zizanie, ils ont voulu le courir, ils ont commencé à le courir après pour le tuer à lui aussi. Et Chonio s'est enfui et il est parti jusqu'en à Alexandrie d'Égypte. Il y avait là-bas une grande Kehila juive. Il y avait d'après ce que la grande rapporte, il y avait des milliers de juifs, des dizaines de milliers de juifs. Il s'est enfui jusqu'à là-bas et il a construit un nouveau Beth Amikdash, monsieur Chonio. Chonio, il a construit un Beth Amikdash à Alexandrie en Égypte. Un Beth Amikdash, l'Irvod Hashem, c'était pas une maison de la Vodazara, mais c'était bien évidemment totalement défendu. Parce que depuis le moment où la Shrina est arrivée à Yerushalayim, elle ne bouge plus d'Yerushalayim comme ce qu'on avait appris à la fin de Zvachim. C'était tout le sujet de Shkut Echutz, et Bait Rishon, Bait Sheni, avec les Issur Babot, à la fin de période de Maseret Zvachim. Donc, ils n'avaient pas le droit. Malgré tout, c'était un endroit qui n'était pas une maison de Avodah Zara, c'était une maison de Avodat Hashem mal. C'est-à-dire celui qui faisait un korban, qui avait un corban, au lieu de le monter à Yerushalayim, il partait là-bas le faire, transgressant un interdit de karet très grave, qui s'appelle Shrut Echutz, parce que finalement, c'est plus le Beth Amikdash, il n'a pas le droit d'égorger. Mais malgré tout, quelqu'un qui va sanctifier quelque chose, qui va vouloir faire en offrande à Beth Chonio, ce qu'on appelle Beth Chonio à la différence de Beth Amikdash, la maison de Chonio,
dans le Beth Amigdash de Chonion, en fait, eh bien, il transgresse. Il ne fait pas l'interdit de Avodah Zara. D'accord ? Voilà pour l'introduction. Le très long Barthénois que vous voyez, il vous raconte toute l'histoire que je vous ai lue. Avec un peu plus de détails dans le Tiferet Israël. Tiferet Israël, il est très riche. Il rapporte d'autres sources pour raconter l'histoire encore plus largement. Enfin, pour notre propos, ça nous suffit. Ce qui nous intéresse maintenant, on peut commencer la Mishnah, et on va s'intéresser dans notre Mishnah maintenant, quelqu'un qui promet de faire un korban et qui va le faire à Beth Ronio, ou quelqu'un qui promet de faire un korban à Beth Ronio. Il va y avoir deux cas de figure. La première partie de la Mishnah va parler de la Ola, deuxième partie de la Mishnah va nous parler de celui qui va être Nazir. Et le principe, on a qu'à le découvrir directement à l'intérieur de la Mishnah. Are alai Ola, je fais un vœu d'apporter une Ola. La Mishnah m'enseigne, écrivez un Beth Amigdash. Bamigdash. Il devra aller nécessairement l'apporter au Beth Amigdash, à Yerushalayim. Vemikriva Bebet Ronio, Loyatsa. Mais s'il a pris son korban Ola et il l'a amené à Beth Ronio, dans le Migdash, si on peut dire, le temple de Ronio, eh bien, il ne s'est pas acquitté de son devoir. Tu dois faire une Ola, l'apporter au Beth Amigdash. Maintenant, ce qui se passe, on va commencer à s'intéresser à quelque chose de particulier. Shakrivena Bebet Ronio. Il y avait un juif là-bas d'Égypte qui s'est dit. Je fais un vœu d'apporter un korban à Beth Ronio, une Ola que je vais apporter à Beth Ronio, au temple de Ronio. Alors là, on a une question intéressante. Est-ce que j'ai dit que j'allais apporter donc un animal dans un endroit où est-ce que c'est pas digne de l'apporter? Est-ce que j'ai sanctifié la bête, mais que malgré tout je pourrais pas aller dans cet endroit, ou est-ce que je n'ai pas du tout sanctifié la bête? C'est là où il y a la discussion entre Tanakama et Rabbi Shimon. Tanakama nous enseigne Shakri Vena Bevet Ronio. Si tu as dit que tu as fait une Ola, mais que tu vas offrir à Ronio, au temple de Ronio, Yakri Vena Bevet Amigdash, tu es obligé de l'amener au Bet Amigdash. Parce que lorsque tu as dit que tu vas l'apporter en Ola, tu l'as sanctifié à Hachem. Et bien sûr, Ronio n'est pas la bonne adresse, donc tu devras aller au Bet Amigdash, parce que maintenant tu as dit que tu allais faire une Ola. À la différence que si j'ai dit que j'allais prendre une vache, et l'offrir en Ola, enfin un taureau, et l'offrir en Ola à la Avodah Zara, alors j'ai aucune mitzvah de l'apporter au Beth Amigdash. Si de la Avodah Zara, c'était sûr de sanctifier, j'ai sûrement pas le droit d'apporter cet animal au Beth Amigdash. C'est en ça que c'est différent Beth Ronio, puisque Beth Ronio n'est pas une maison de la Avodah Zara, c'est une maison pour Hachem, mais mal faite. Alors ça a été sanctifié. Et donc il doit l'amener au Beth Amigdash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vimikriva Beth Ronio. Et si toutefois il a apporté le sacrifice, il l'a apporté à Beth Ronio, eh bien, la Mishnah m'enseigne que Yatsa, il s'est acquitté de son devoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est acquitté de son devoir? C'est pas qu'il a apporté un korban concrètement. Il avait une mitzvah d'apporter cette Ola au Beth Amigdash, et pas à Beth Ronio. Et lorsqu'il a égorgé à Beth Ronio, il a transgressé un interdit de karet, de shrut et chutz. C'est comme si j'ai un korban et qu'au lieu de l'amener au Beth Amigdash, je vais faire un hôtel dans ma cour et bien sûr, je transgresse un interdit de shrut et chutz. Là n'est pas le problème. Malgré tout, lorsque je dis que Are alai Ola, je fais un vœu d'apporter une Ola, j'ai une obligation d'apporter une Ola. Mais qu'est-ce qui se passe si je dis je fais le vœu d'apporter une Ola tant que je ne me suis pas gratté la tête? Eh bien, je suis imposé d'apporter une Ola, j'ai un vœu, et dès que je vais faire comme ça, ben, je ne dois plus apporter mon animal, c'est normal, d'accord? Eh bien, lorsque j'ai fait un vœu d'apporter une Ola à Beth Ronio, je me suis quelque part dit que je fais un vœu d'apporter la Ola jusqu'à que ça me prend de vouloir abattre la bête n'importe comment. Donc c'est pour ça qu'une fois que j'ai apporté le korban à Beth Ronio, je n'ai plus d'obligation d'apporter mon korban au Beth Amigdash. J'ai transgressé l'interdit de Shrut et Chutz, j'ai sanctifié la bête, j'ai transgressé l'interdit de Shrut et Chutz, et malgré tout, je n'ai plus de devoir d'apporter le korban. Pourquoi? Parce que j'ai dit que bon, je dois apporter une korban là, jusqu'à que j'ai un coup de folie, que je lui mets un coup sur la tête et que je l'assomme. Eh bien, dès que je vais lui mettre un coup sur la tête et que je vais l'assommer, je ne serai plus engagé par mon vœu, puisque j'ai limité mon vœu. J'ai dit que je devrais, d'accord, c'est logique, je pars ma bouche, je m'engage avec mon vœu, autant que jusqu'aux limites que je fixe avec ma bouche. Donc si je dis, je fais le vœu d'apporter un corban, jusqu'à que ça me prend la folie de l'abattre avec un coup sur la tête, que je le ferai lorsque je serai à Beth Ronio, eh bien je me suis acquitté. D'accord? C'est ce que la Mishnah enseigne, donc Vé Mikriva Beth Ronio, Yatsa. Si je l'ai offerte au temple de Ronio, Yatsa, je me suis acquitté de mon vœu, malgré tout. Rabbi Shimon Omer, Enzo Ola. Rabbi Shimon enseigne que ce n'est pas du tout une Ola. Selon Rabbi Shimon, lui, c'est très simple. Tu as dit que tu allais apporter un korban au temple de Ronio.
ça n'a aucune valeur. C'est comme si tu as dit que tu allais offrir un corban à ta belle-mère. Ça n'a aucun sens. C'est pas un corban. D'accord? Ça, c'est la vie de Rabbi Shimon. Même principe maintenant avec la Nézirute. La Nézirute, celui qui prend, qui devient nazir, c'est quelqu'un qui fait un vœu de prendre sur lui de se sanctifier pendant une durée de 30 jours, ou il va devoir, il va plus boire de vin, il va plus s'impurifier pour les morts, il va cesser de pousser les cheveux, il devra apporter ensuite à la fin des corbanotes. Lui, notre ami, il a dit comme ça. Areni nazir d'abord. On commence avec le cas classique. Areni nazir, je fais le vœu de devenir un nazir. Alors il y a Galar Bavikdash. Il devra laisser ses cheveux pousser pendant 30 jours, et après il devra aller au Beth Mikdash et se raser les cheveux. Il y a tout un rituel qu'on va faire avec les shlamim qui sont là-bas. Vim Gilar Bevet Ronio, lo yatsa. Et si au lieu de partir au Beth Mikdash, il est parti à Ronio, au temple de Ronio, et ben il ne s'est pas quitté de son devoir. Ton devoir c'était de partir, de couper les cheveux au Beth Mikdash, t'es pas parti au Beth Mikdash. Maintenant, s'il a fait le vœu chez Galar Bevet Ronio, que je me couperai les cheveux lorsque je serai au temple de Ronio, eh bien, il y a Galar Bamigdash. Tout d'abord, lorsque tu as dit que tu fais un vœu de Nézirut, et tu mets un terme lorsque tu iras à Ronio, eh bien, tu t'es engagé et tu es devenu un vrai nazir. Et tu devras partir au Beth Amigdash, à la bonne adresse. Maintenant, Vim Gilar Bevet Ronio, il y a ça. Si toutefois, il est parti se raser la tête au temple de Ronio, il s'est malgré tout acquitté de son devoir. Selon le même principe. Parce que si je fais le vœu de devenir un nazir, mais je me limite avec ma parole en me disant que le jour où j'ai une folie, que quelqu'un se moque de moi et que je décide de mettre un terme et de me couper les cheveux, je m'acquitte de. Je ne suis plus engagé par ma Nézirute. Eh bien, par là, je peux mettre un terme à ma Nézirute. Donc, même principe. Tu as dit que tu allais mettre un terme à ta Nézirute lorsque tu iras te raser les cheveux à Ronio. Eh bien, lorsque tu vas te raser la tête au temple de Ronio, eh bien, tu as mis un terme à ta Nézirute. C'est pas que tu as fait ta mitzvah de nazir. T'as supprimé la Nézirute. Telle est la vie de Tanakama de nouveau, comme sur l'Aula. Rabbi Shimon Omer, enze nazir. Rabbi Shimon enseigne, non. Il ne devient pas nazir de la sorte. C'est pas du tout une Kabbalah de Nézirute. C'est pas un vœu de Nézirute. C'est un vœu de n'importe quoi, préfet. Donc tu t'es même pas engagé. Tu peux boire du vin, même si tu veux, une fois que tu as prononcé un vœu. C'est pas un vœu. Il faut forcément être nazir. La Shem au Beth Amigdash. On continue maintenant avec, si déjà on a parlé du Beth Ronio, on continue avec quelques petites halachot de Ronio. A Kohanim Sheshim Shu Beth Ronio. Malheureusement, ça fait des ravages. Parce que ça a arrangé tous les gens, tous les Égyptiens. Ça les a nettement arrangés d'avoir un Beth Amigdash à Alexandrie. C'était très pratique. Donc du coup, là-bas, il y a même eu des Kohanim qui sont mis à devenir des prêtres dans le temple de Ronio. Alors la Mishnah enseigne que A Kohanim Sheshim Shu Beth Ronio. Les Kohanim qui ont fait le service au temple de Ronio. Lo yeshamshu bamigdash birushalayim. Ils ne pourront plus jamais devenir des prêtres, des Kohanim, en activité, au Beth Amigdash birushalayim. Ils sont devenus invalidés. Ve'en tsarich lomar les davar acher. Et à plus forte raison, s'ils ont fait autre chose. C'est quoi faire autre chose? C'est qu'ils ont une fois été prêtres de la Avodah Zara. Un Baal Tshuva Kohen, qui est parti faire de la Avodah Zara, il ne pourra plus être un Kohen au Beth Amigdash. Mais on va préciser exactement son statut. Il pourra, pour certaines choses oui, pour certaines choses non. Comme ce qu'on va voir dans quelques minutes, dans quelques secondes, quand on va arriver à la fin de la Mishnah. Pour le moment, on parle de devenir un prêtre au Beth Amigdash. C'est fini, il s'est grillé. Il ne peut plus être prêtre au Beth Amigdash en fonction. Sheneemar, Arlo Ya'alu Kohane Abamot El Mizbach Hashem Birushalayim. Comme nous dit le verset dans Melachim, cependant, ils ne monteront pas les Kohanim Abamot, les prêtres des Bamot de Avodah Zara. Ils ne monteront plus au Mizbeach à Yerushalayim. Ki machlo matzot betoch achem. Mais ils pourront quand même manger les matzot betoch achem, ils pourront manger les pains partagés au Beth Amigdash. Donc de là, on déduit que Arehem kebaale mumin. On déduit que le statut exact d'un Kohen qui a fait de la Avodah Zara, ou qui a été Mishamesh, qui a servi à Beth Ronio au temple de Ronio, eh bien il a un statut de Baal Moum en fait. C'est pas que c'est plus un Kohen, c'est un Kohen, mais comme un Kohen qui a un défaut. Vous savez bien qu'un Kohen qui a un défaut, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, il ne peut pas servir au Beth Amigdash, mais il est quand même Kohen pour certaines halakhot. En l'occurrence, Cholkin Veochlin, il pourra partager les parts du Beth Amigdash. Aval Lomakrivin, il ne pourra plus s'approcher sur le Mizbeach pour faire un Korban. C'est-à-dire la Mishnah enseigne en fait que le statut exact d'un Kohen qui a fait de la Avodah Zara, eh bien, il reste Kohen, il n'a pas été un Kohen halal, il n'a pas été invalidé
à la Keuna, mais il ne peut plus servir au Bet Amigdash. Mais il garde un statut de Kohen qu'il pourra partager avec tous ses frères au Bet Amigdash, il pourra partir au Bet Amigdash. Lorsque ce sera le tour de sa famille de servir, il ira avec tout le monde, il ne servira pas, mais il partagera les parts avec les Korbanot, avec tous les Kohenim qui sont là-bas en fonction. De même, Tosfot nous précise que par exemple, il pourra faire la Nesiut Kapaim, il pourra bénir les Kohanim, bénir le Ham Israël pendant la Tfila. Parce que ça, il n'y a pas de problème, même un Balmoum, même un Kohen qui est manqué un doigt par exemple, il a le droit de, je ne connais pas pour les doigts, c'est spécialement, mais un Kohen qui a un autre défaut, pour les doigts, je crois qu'il y a un problème, si, quand il lève les mains, s'il a un défaut dans les mains, je crois qu'il a, il peut pas, dans certains cas en tout cas, il ne peut pas faire la Nessie de Kapaï, vous savez, quand il fait la Bracha, la Birkat Kohanim, la Bet HaKnesset, mais en tout cas, s'il a d'autres défauts, un défaut sur le visage, par exemple, il a le droit de faire la Avodah Zarah si on a marqué dans la Halakha. Si tout le monde le connaît, qu'on n'est pas écœuré lorsqu'on le voit, que par exemple il lui manque un œil ou quelque chose comme ça, eh bien il a le droit de faire la Birkat Kohanim. D'accord ? Eh bien, au même titre, un Kohen qui a fait de la Avodah Zarah et qu'ensuite il fait Tshuva, il revient, alors il pourra faire la Birkat Kohanim. Il pourra manger la Tourma. Il pourra être le premier qui va monter au Kohen avec à la Torah, comme on fait monter un Kohen. D'abord, en premier, on donne la priorité au Kohen. Il n'y a pas de problème. Il y a juste la voda au Bet Amigdash spécifiquement, pour laquelle elle était invalidée, mais il pourra manger comme les autres Kohanim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha avec Bezant Hashem. Demain, le Siyum de Maserhet Menachot, Bezant Hashem, Kol Tov, Selah.